Lou vient de m'écrire qu'elle pense être amoureuse de son meilleur ami, puis elle se demande « Est-ce que c'est weird de passer de l'amitié à l'amour? » J'ai vraiment le parfait livre pour Lou, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais « Au lac d'amour » de moi. « Au lac d'amour », c'est un livre sur l'amitié. C'est très important. Même si le titre, il y a « Amour » dedans, la priorité de ce livre-là, c'est de parler puis d'analyser l'amitié puis la nostalgie de l'adolescence. Je pense que quand on est adolescente puis qu'on est toutes mêlées en dedans par rapport à nos sentiments, on a besoin de lire des histoires où les codes sont flous parce que c'est jamais très, très, très concret, l'amour, les sentiments, surtout quand on passe d'amitié à amour. Puis moi, j'avais envie d'écrire ce livre-là pour comprendre cette espèce d'ambiguïté-là des sentiments qui est quand même difficile à comprendre quand on est adolescente. Puis mon personnage, Joséphine, c'est une femme qui est pleine de questionnements, qui est éco-anxieuse aussi, puis qui a envie un peu d'explorer sa sexualité de manière positive. Puis ce livre-là, ça parle d'amitié, d'amour, de sexualité, de féminisme, de compétition entre femmes, puis c'est tous mes sujets préférés, puis je pense que ça fait du bien.